Yo, salut tout le monde, c'est DBCWish. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc aujourd'hui on va tester la team catégorie de filles pleines de vie. Donc du coup, tout d'abord on va commencer par le premier personnage de cette team. Donc c'est la Super Ebrial qui vient d'apparaître aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo. Donc du coup, son leader c'est Q plus 3 PV, attaque et défense c'est 77% pour les personnages de la catégorie filles pleines de vie. Donc elle est pédie bien évidemment, elle a ensuite des 4 colossaux. Et son passif c'est attaque et défense qui 15% pour tous les alliés de la catégorie filles pleines de vie. Donc PV plus 4000 et aussi PV plus 7477 à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenue. En gros, c'est comme la Bulma, elle se régénère 7777 PV en fonction de l'arc-en-ciel, le nombre d'arc-en-ciel qu'elle récupère. Donc voilà, elle rentre dans la catégorie survie de l'univers car elle fait partie du tournoi du pouvoir. Et aussi dans la catégorie plus pleine de vie parce que ça c'est les waifus, donc ça veut dire c'est plutôt les femmes. Pour ça que là on voit pas de... Non, c'est pas les femmes, c'est en gros, non, c'est toutes les filles en gros. Ok. Donc, après, pour continuer cette team, on a la Bulma, 100%, donne Ki plus 2, PV, attaque et défense, 30% pour les suspects. Elle a ensuite des dégâts colossaux, donc elle est speedy, bien évidemment. Et ce qui est bien, c'est qu'avec son passif, elle donne PV plus 7777 par pierre de ki arc-en-ciel obtenu, comme je vous l'ai dit. Et aussi, elle a une forte chance de réduire les dégâts anticipés de 50%. En gros, forte chance, c'est entre 50-60%, enfin 60-70%. Donc c'est vraiment pas mal. Surtout que vous allez voir que, enfin, pour essayer de faire une vidéo, même si je suis sûr à 2000% que je vais perdre, en gros, pour montrer comment la Bulma est tente en Battle Road, pour une unité free to play, elle est vraiment excellente. Comme vous pouvez voir, la Réveal c'est aussi une unité free to play que je vais mettre à 100% dans pas longtemps quand j'aurai assez d'or, mais pour l'instant j'ai pas assez d'or. Donc sinon, donc vous pouvez voir, elle a 7 en attaque supplémentaire et 6 en coup critique, suivi de 7 en esquive. Donc en gros, je lui ai tout mis pour qu'elle esquive, pour qu'elle tape fort, pour que voilà, elle fait des attaques cibles et tout. Donc voilà. Sinon, elle rentre que dans la catégorie filles pleines de vie. Donc voilà. Alors, du coup, là, il a la C18 qui donne qui plus 3 PV attaque et défense plus 30% pour les types tech et endurance. Elle inflige des dégâts colossaux et attaque et défense plus 30% pendant 6 tours. Ça c'est vraiment pas mal du tout. En plus de ça, elle donne attaque et défense pour chaque sphère de ki obtenue en gros. Et ça c'est vraiment excellent. Et elle aussi elle rend dans la catégorie plus pleine de vie. Hein, donc là vous allez voir, j'ai tué des persos de la catégorie plus pleine de vie. On enchaîne avec la fidèle Great Iron Man 2 qui donne en leader attaque plus 25% sur tous les types. Elle inflige des dégâts et diminue fortement la défense. Ça c'est vraiment excellent. Et son passif c'est attaque plus 1000 sur tous les types. Ça c'est un peu claqué, hein. C'est une unité free to play aussi, hein. Là j'ai que des unités free to play. C'est pour ça qu'on va essayer de battre le Freezer Full Power avec une unité free to play et en plus free to play pleine de vie. Donc ça va être encore plus compliqué parce que la catégorie pleine de vie c'est pour récupérer les carapaces de l'événement entraînement Kamehameha. Donc voilà. Donc sinon elle est rentrée dans la catégorie saga debout. Voilà, cette catégorie vous pouvez retrouver par exemple je vais essayer de vous le trouver. Alors il n'est pas là. Où est-il? Alors donc dans cette catégorie vous pourrez avoir le Majin LR. Donc ça c'est vraiment excellent. Le Satan LR aussi.
Il y a aussi le Goten Trunks LR, suivi du Goku LR des 1000 jours qui vient d'apparaître. Et donc voilà. Donc à côté de ça, nous avons la Videl encore free to play qui donnait le défense et PV plus 50% sur les types puissants. Elle inflige des dégâts, des gros dégâts, en gros d'énormes dégâts, et diminue la défense, donc pas fortement, mais quand même pas mal. Sinon, elle a forte chance de donner attaque et défense plus 20% à tous les alliés. Ça, forte chance, c'est aussi 60-70%, enfin aux alentours. Ce que je sais, c'est que c'est au-dessus de 50%. Bon, vous me direz dans l'espace commentaire si jamais je me suis trompé. Et sa seule petite catégorie, c'est le Team Flame de vie. On enchaîne avec la dernière carte de la team, la Yorin. Donc qui donne Ki plus 1 PV attaque et défense plus 20% pour la catégorie fille pleine de vie. Donc elle inflige des dégâts colossaux et peut parfois étourdir l'ennemi, qu'elle expédie bien évidemment. Ou sinon, elle donne Ki plus 3 pour soi-même et attaque et défense moins 15% pour l'ennemi attaqué et forte chance et chance moyenne de l'étourdir, pardon. Donc là je l'ai mis du coup critique. Mais je vais pas tarder aussi à la mettre 100% parce que c'est une excellente unité aussi qui peut servir dans le Super Battle Road Tech. Car elle donne moins 15% sur l'ennemi à attaquer et en plus elle a une grande chance d'étourdir l'ennemi. Donc elle rentre dans la catégorie survie de l'univers. Et donc celle-là est une pleine de vie. Donc voilà, et pour conclure, bah j'ai pris une double Super Hydrian qui expédie aussi mais qui n'est pas montée comme moi parce que pour l'instant je n'ai pas assez d'or pour la monter 100%. Donc quand je pourrai, je vous ferai le test de Hydrian 100% parce que c'est vraiment une excellente unité. Donc je souhaite à le rappeler si vous n'êtes pas abonné à la chaîne ou vous passez juste par là que je suis un joueur free to play. Donc je mets pas d'argent dans le jeu. Donc voilà. Du coup au niveau des items, bon j'ai pris que des items de soins. Hein, genre la Bulma qui donne attaque plus 30% et soigne 70% des PV pendant 2 tours. Elle soigne pas pendant 2 tours, mais elle donne attaque et défense plus 30%. Enfin attaque plus 30% pour tous les alliés pendant 2 tours, mais pas elle soigne une seule fois. Donc j'en ai pris 2. Le fantôme portier qui servira à étourdir l'ennemi, retarder les attaques ennemies de 1 tour. Je pourrais le faire 2 fois aussi. Le C13, enfin C13, je sais plus comment il s'appelle là, le C8 je crois. Qui lui en gros il, c'est pareil que la Bulma sauf que c'est défense plus 30% et soigne 70% des PV. Et le dragon qui réduit les dégâts encaissés de 35% pendant 2 jours. Donc du coup c'est parti. On va commencer sans plus tarder le Freezer Full Power qu'on va essayer de battre. C'est pas un boss super compliqué mais comme je n'ai pas mis comme je n'ai pas de Hydrian ami leader 100% ou bien monté et une Hydrian et la mienne qui n'est pas 100%. Je n'ai même pas de critique pour vous dire parce que j'ai même pas encore assez d'or. Donc je vais pas pouvoir tester un. Au début, à la base, je voulais tester beaucoup de weekend. Mais je me suis dit que je pouvais pas parce que j'avais pas assez d'or. J'avais pas. Comme je n'ai pas d'or, ben, je peux pas le mettre à 100%. Et du coup, ce sera compliqué comme c'est du basilité, elle pourra pas critique. Donc voilà, c'est pour ça. Mais quand il sera 100%, je ne t'inquiète pas, je ferai une vidéo pour le test sur Dubaï pour voir si on arrive à le faire avec une catégorie vraiment faible parce que vous pouvez voir qu'au niveau des HP, on a quand même 140 000. Donc voilà. Donc du coup, on va aller voir ça de plus près. Donc on va aller prendre celui-là. Ah ben non, je me suis fait troll. Je me suis fait troll les amis, je pensais que c'est le côté où on nous donnait du ki. Donc du coup on est en PLS, hein, on va être en PLS de ki. Voilà, ça va être chaud. Donc du coup on passe directement au boss. Normalement ça devrait aller quand même
assez vite, hein, je pense. Hein. On va voir ça. Donc, première rotation, Bulma, vous allez voir les dégâts qu'elle va prendre, elle va rien prendre du tout. La Ribrienne qui part en spé, donc ça, on est vraiment content. Donc, en fait, pour le ki, je pense que ça va pas être très difficile. Donc, du coup, la Bulma, ok, elle prend 118, je veux dire, comme vous pouvez le voir. Donc là, elle a presque tué. Là, je prends une spé, combien ça prend? 49, vous avez vu. Elle a réduit les dégâts de 50%, donc elle est vraiment excellente. Donc la Ribrienne, elle part à 240 000. C'est un 275 000, car elle peut pas. Donc voilà, du coup, on passe au Pleasure Code Power, la dernière phrase. Voilà, c'est parti. Donc du coup, là, il m'a bloqué toutes les rotations, donc je peux pas bouger. Donc voilà, bah, c'est parfait, on part en P. Là, on part en P. Et Ribrienne, elle part en P. C'est génial. Donc là, ça va être un peu galère quand même. Quoique non, la C18 elle est dans le bon titre. 149, 142 je veux dire. Là, 58 minutes, ça va rien faire. Et peut-être que Ribrienne, elle peut la tuer même si elle est en mauvais titre. On va voir ça. Donc elle part à 200 minutes. 225 presque. J'ai vu, elle prend quand même plus 8000 hein, quand même. C'est vraiment une excellente unité que je vous recommande de mettre 100%, car si vous voulez voir les tests, parce que moi pour l'instant là je n'ai pas fait le test 100%, mais il y a déjà des youtubeurs qui ont fait le test 100% de la carte. Comment vous dire que quand même dans la catégorie elle tape quand même du en critique, elle peut taper du 1 million, 800 000, 1 million. C'est vraiment excellent pour une carte free to play. Voilà, moi je vous recommande de la mettre à 100% en vrai. C'est vraiment excellent. Donc du coup là, on passe au Freezer Full Power. C'est parfait parce qu'on va bloquer la rotation. Et dans la rotation, en fait, là on va se prendre deux attaques de Freezer Full Power sur le bon type. Du coup on va rien prendre, donc merci Freezer. Donc voilà. Donc excusez-moi si je parle un peu bizarrement, je suis enrhumé comme dans toutes les vidéos. Donc excusez-moi encore. Donc là 84 000, ok. Ok, donc elle va faire combien la petite CDG? Ok, donc elle fait 120 000. Donc là faut se grouiller parce que si on grouille pas Freezer, quand il arrivera à zéro, ils vont nous envoyer une spé. Il va nous envoyer une spé qui va me one shot. À part si je suis du bon type. Et encore, je ne pense pas. Faudrait peut-être que je mette un item. Hein. Donc, vous savez quoi? On va pas prendre de risque. On va mettre un fantôme portier. On va être obligé. Donc voilà. Donc là, vous avez vu la régénération des PV, j'ai récupéré tous mes PV, rien qu'avec le nombre de boules de ki que j'ai récupéré. Donc là, le critique de la Bulma. Donc la Ribrienne, qui part à 200 000. 300 000 quand même. Et puis là, on atteint la dernière phase. Donc logiquement, on devrait le tuer. Donc voilà. J'ai quand même un peu peur qu'on se prenne XP, bah au pire si on meurt, hein, c'est pas grave. Au moins, vous aurez vu que c'était possible de faire le avec 100% free to play, une pleine de vie carrément, on peut faire le freezer full power tranquillement. Faut juste que vous visez à quoi c'est juste ça. Donc voilà. Donc là, la C18, elle va certainement le finir. Voilà. Donc voilà, du coup les amis, comme vous pouvez les voir, en plus j'ai pris deux médailles. J'ai gagné deux médailles parce que avant, à l'époque, on pouvait en gagner que une. Mais là maintenant, on nous a mis une mise à jour comme quoi en Z-Hard, vous pouvez gagner jusqu'à 6 médailles en super. En Z-Hard, mais de 20 CT. Donc tous les événements à 20 CT. Ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc du coup voilà, on a fini en 6 minutes parce qu'on a parlé, donc voilà, on aurait fait aux alentours 5 minutes, excusez-moi. Donc voilà, donc
attendez. Donc voilà les amis, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Merci encore de l'avoir regardé. Puis voilà, c'était DB Story, donc salut.